6 films et 4 DVD en 5 minutes. Vous voulez pas non plus que je vous cite le chapitre du dernier Welbeck aussi pendant que vous y êtes? C'est les vacances les gars là. Oh, tout le monde en Bermuda, l'école est finie. Non, je fais pas 10. Non, tu sais où tu peux te les foutre tes 10, Pecno va. Qu'est-ce que la littérature? Le contraire de la vérité. Enfin, un film sur Céline. Qui a dit Céline Dion? C'est toi René, t'as dit Céline Dion? T'es con quoi? Louis-Ferdinand Céline, deux clowns pour une catastrophe par Emmanuel Bourdieu. L'un des plus grands auteurs du XXe siècle, si ce n'est le plus grand auteur. Céline, hein, pas Bourdieu. I am going to step into his creative lair. Il est le responsable de milliers de vocations littéraires de par le monde. Le voyage au bout de la nuit. Eh ben ouais, qu'il allait jusqu'au bout. Ah, regardez plutôt la classe du projet. Emmanuel Bourdieu, c'est le fils de Pierre Bourdieu, le pilote automobile. Mais non, Pierre Bourdieu, le sociologue. Bande de ploucs. Emmanuel Bourdieu, donc, c'est le scénariste d'Arnaud Desplechin, déjà. Et puis, il s'était déjà fait les dents sur un sujet pour la télévision sur une grande figure antisémite française, Drummond. Parce que oui, il est question des idées profondément antisémites du génie littéraire exilé dès 48 au Danemark à la suite de son procès pour collaboration nazie. Les Juifs ont eu leur part de responsabilité dans la guerre. Il est rejoint par un jeune écrivain juif américain désireux de tirer un livre souvenir de cette rencontre. Mais le bougre est revêche. Ah, le saligo, il est comme ça. Indispensable pour découvrir qu'on peut être un génie reconnu et un sale con en même temps. Nécessaire donc pour apprendre encore une fois à éviter les amalgames. Le chef-d'œuvre du mois, c'est The Assassin de Hao Hsiao-hsien. Le maître asiatique du cinéma contemporain revient avec une claque visuelle et narrative comme il a toujours su le faire. Il vient reprendre sa place sur le trône du plus grand réalisateur taïwanais au cas où certains l'auraient oublié. Respectons nos aînés et prêtons allégeance. La superbe Shuki interprète le rôle d'une justicière formée aux arts martiaux par une nonne et qui revient auprès de sa famille après des années d'exil pour éliminer les tyrans qui menacent l'équilibre de la province. Déjà là, l'histoire elle claque un peu quand même. Hein. Pour ajouter une histoire d'amour impossible, des scènes de combat magnifiquement cadrées, montées, chorégraphiées. Et c'est un lavage de cerveau organisé par Hao Hsiao-hsien qui vous fait oublier les 20 dernières années du cinéma d'arts martiaux. Alors, Kill Bill, Tigre et Dragon... Est-ce que vous êtes un vrai livreur? Tu peux appeler ta maman, s'il te plaît? Inami Alash est une jeune femme qui fait des vues sur YouTube sous le nom de Solange. Et maintenant, elle veut faire des entrées au cinéma. Genre... Bonne chance. Eh bien moi je trouve ça pas mal du tout. Elle a construit un personnage sur le net et elle le développe sur grand écran dans une comédie parisienne très contemporaine qui rappelle le cinéma de Michel Blanc ou bien le duo Junio-Auteuil dans les années 80. Tu tiens un peu au courant de ce qui se passe dans le monde, non? Si ça tombe, la France a attaqué la Syrie, puis t'es pas au courant. C'est dehors que ça se passe. C'est sincère, frais, presque alénien. Bref, je pense qu'il faut lui donner sa chance à cette petite. La plus grande réalisatrice française, Lucile Hadzialilovic, et cela dans tous les sens du terme, elle doit bien mesurer au moins 1m80, réussit non sans mal à sortir un film tous les 10 ans. C'est malgré tout le temps nécessaire à l'artiste pour faire une œuvre qui marque durablement les esprits et l'époque qu'elle traverse. Après s'être intéressée avec délicatesse à la fin de la puberté et au passage à l'âge adulte chez les jeunes filles dans Innocence, Lucile remet ça avec évolution en traitant cette fois-ci le sujet du côté des garçons. Elle s'intéresse au personnage de Nicolas, 11 ans, vivant seul avec sa mère près d'un hôpital pour enfants dans un village isolé au bord de mer. Un traitement médical mystérieux, des réunions nocturnes étranges de femmes sur la plage et moult découvertes inquiétantes. De multiples raisons de vous rendre dans les salles pour découvrir peut-être l'un des plus beaux films de l'année. C'était déjà le cas pour les précédents. Il n'y a pas de raison. You cannot touch dead bodies. Tim Robbins, Benicio del Toro, Mélanie Thierry, Olga Kurelere... Et mais lâchez-moi avec les noms de famille tordus là. Avoir quelque chose de simple, par exemple, Apichatpong Veracetakul. Voilà, ça c'est clair, c'est sobre, c'est thaïlandais. Got someone waiting to somewhere? Why? Friends? Un casting idéal pour la comédie parfaite de ce mois de mars.
parfaite pour moi voulant dire du rire intelligent. Un sujet fort, l'aide humanitaire et des emmerdes puissance 10 qui ancrent l'histoire dans la réalité la plus absurde, la plus rocambolesque. Bien sûr, tout le monde sait qui est rancambole. Un groupe humanitaire dans une zone de guerre se voit contraint de sortir un cadavre humain d'un puits pour pouvoir rendre l'eau potable au village voisin. Si le film Les Rois du désert de David Russell vous a bien fait triper à l'époque, eh bien Perfect Day en rajoute une couche dans l'irrévérence et l'étude de mœurs gentiment subversive. It's time, you ready? Yeah. L'autre possible meilleur film du mois est le dernier Jeff Nichols, Midnight Special. Et oui, nous sommes donc de retour dans les champs de blé à perte de vue, les maisons isolées, les mentalités rurales et la présence magnétique de Michael Shannon. Le très grand Michael Shannon. I wouldn't know where to start. You would have fits. Things would break. It was like a feeling. Kind of feeling. Une famille américaine classique devient la cible d'une chasse à l'homme à travers tout l'État, organisée par des fanatiques religieux et la police. Ils ont récemment découvert que John Alton, le fils de la famille, a hérité d'un don terrifiant. Qu'est-ce que c'est ? Ce film rapproche définitivement le cinéaste de la présence tutélaire de Steven Spielberg dans sa grande période. Je parle de E.T., Rencontre du troisième type. Avec ce film, Jeff Nichols s'installe durablement dans la catégorie des grands réalisateurs du cinéma contemporain. On en a vu des coffrets DVD Blu-ray défiler depuis plus de 10 ans. Et bien là, ça dépasse tout. Et c'est grâce à Carlotta Film. L'année du dragon de Michael Cimino avec Mickey Rourke en édition Ultra Collector. Un chef-d'œuvre pour une édition précieuse. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un travail de restauration monumental. Et vous savez ce que vous trouvez à l'intérieur ? Tu sais, toi ? Une copie du scénario original, une interview du réalisateur, plus de l'auteur du livre original, plus de l'acteur principal, Mickey Rourke, le meilleur, plus des analyses du film et même un marque-page. Échangez tout de suite 10 films médiocres de votre DVD Tech contre cette pièce de collection de l'édition vidéo. You see, the trouble is that we all live in a happy ending culture. A what should be culture instead of a what is culture. En mars, Wildside charge la mule avec deux éditions impressionnantes, comme toujours. Deux classiques du cinéma américain moderne, Love Streams de John Cassavetes, déjà disponible en magasin, et Lenny de Bob Fosse, disponible le 23 mars. Pourquoi ces deux films ? Eh bien parce que ce sont de véritables bombes cinématographiques âgées de plus de 30 ans qui vous feront dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui au cinéma n'est que poudre aux yeux ou pas l'imitation de mise en scène. And there's a speck, right? Hmm? There's another speck. Ooh, there's a wop, there's a Pollock, and a, oh, a couple of grease balls. Le cinéma dans toute sa beauté, il est là dans ces deux films enfin disponibles en Blu-ray, accompagnés tous deux d'un livre bonus passionnant sur l'aventure du film. Cassez votre tirelire, c'est le moment. ED Distribution vient de sortir en DVD Le Secret des Autres, dernier film de Patrick Wong, un cinéaste américain qui nous avait déjà beaucoup ému en 2011 avec In the Family. Oh, do you remember Jessica? Wow. L'histoire d'une famille hantée par le deuil va recevoir la visite inattendue d'une personne qui va réouvrir leurs blessures, mais peut-être aussi les sauver du malheur. You can't skip any more school. When the procession reaches the shore, the priest enters the water and after having begged it to bear the ashes safely away, scatters them on the waves. La cellule familiale, Patrick Wang, c'est son truc. Avec son deuxième film, il semble vouloir en faire son sujet de prédilection. Il le fait avec justesse, beaucoup de sincérité, ce qui finit par nous toucher au plus profond de notre âme, et ce jusqu'à la dernière minute du métrage. C'est une belle réussite, parue chez ED Distribution. Oh oh bon, c'était intense, mais on l'a fait, hein. En même temps, c'est pas moi qui programme 1000 films chaque semaine non plus, j'y suis un peu pour rien. Quoi qu'il en soit, vous avez l'essentiel du cinéma pour mars, et ça, c'est le plus important. Faudra vous habituer, ça va être comme ça tous les mois. Hein, René ? Bon, je dis au revoir aux gens et on coupe ? Hein, on en a assez, là.